ta kap bay un petit coup de main là en attendant problème nan résoudre. Donc moun ki nan place publique en particulier, donc li important hein, pour nous capable faire solidarité à Kyo. Mm-hmm. Oui, pendant qu'on a parlé de solidarité, nous avons communiqué ça à MTV Haïti. C'était mettre dehors pour demander au secteur privé de porter aide aux gens qui sont dans la troisième circonscription. Mais comme nous avons déjà prévu pour nous parler avec Réginald Daboulos matin, il est déjà ensemble avec nous. Docteur Boudin Autoplaza, côté Audi et tout. Mm-hmm. Et c'est comme ça nous organisons pour le moment. Mais j'aime toujours dire, nous pas faire bac, nous pas faire un bac, nous pas peur, nous pas j'aime peur, et nous quoi dans le pays nous, donc nous avons construit tout ça a été écrasé, nous même nous pas qu'on bail tap, ce travail nous qu'on bail, c'est construire une bonne construction. Mm-hmm. D'accord. Donc depuis plusieurs jours là, on situation dans la troisième circonscription Port-au-Prince là, et où t'es demandé à l'autre membre dans le secteur privé hein, pour que vous paraissiez indifférent par rapport à famille Sayo. Jusqu'à nous on a parlé là, qui ça qui fait déjà pour porter support à famille Sayo, docteur Boulos. Bon, Jean Dia, nous m'a été fait une lettre datée de dimanche qui demandait secteur privé et porter un appui. Moi, je connais que la première association patronale qui déjà font commitment et ils ont travaillé avec la Croix-Rouge, côté que ils vont remettre la Croix-Rouge en pile aliments que ils ont procuré sous marché local là, pour que la Croix-Rouge lui-même soit capable d'organiser, pas distribution directement, mais travail avec institutions locales, mairie de Carrefour, l'église et l'école, tout côté cap. Quand on mange des choses, quand on travaille pour avoir une aide, eh bien, et l'association patronale, ça, lui-même, il va le faire communiquer, c'est peut-être ça, pas non le matin, il va le faire communiquer le jour pour le faire sortir ça. Il y a l'autre association patronale, dans la chambre de commerce, qui dit que ils ont réuni, ils travaillent sur ça. Moi, je crois que c'est un appel qui tendait. Moi, tu as dit que je me sentais que manquait et un petit peu du sens de l'urgence. Parce que on y a chaque fois abdominant dans qualité misérieuse, dans sans abri, sans vêtements. Moi t'a renouvelé appel là. Moi comprendre que il y a des leurs dans l'association patronale pour une réunion. Mais moi même penser que je dis à moi demander secteur privé le bénéfice de l'urgence. Et si y a monde dans le secteur privé qui voulait bailler directement, il y aurait droit en fond chaque fois aux haïtiennes. Puis on dit c'est pour Matissan Fontamara. Nous choisis volontairement une firme haïtienne, une organisation haïtienne que nous reconnaissons pour le travail que le fait. Nous pas chercher ONG étranger, nous pas chercher l'autre monde pour faire. Nous n'a travaillé avec Croix-Rouge, n'a travaillé avec organisation locale. Et encore une fois, quel que soit le monde qui voulait participer, parce que c'est devoir nous, c'est rôle nous, c'est obligation nous, c'est solidarité nous qui pour faire que nous aujourd'hui n'a pensé à mon cité soleil. Qui n'en goûte même matin, midi, soir. Moun Belé, Moun La Saline, Moun Grand Ravine, Moun Fontamara, Moun Matissan. Tout le monde sait que depuis des années, depuis que PHTK a décidé de gangsteriser le pays. Parce que quand on a parlé de solidarité, on a parlé de humanité, il faut songer. Le René Préval remettre PHTK au pouvoir, pas de zone de non-droit dans Haïti. Jodia, pays a transformé en zone de non-droit. Donc, moun sa yo, c'est pour nous-mêmes comme qui gagne, moun qui gagne business, moun qui gagne capacité, quel que soit niveau, faut jodia ou sensibiliser à sort moun sa yo pour que nous réveiller et nous poter aide nous ba yo. Oui, très bien. Donc, pour pouvoir, en tout cas, le n'a pas entendu ce monsieur Olé à parler. Donc, il y a souvent longé d'ouette sur presque trois secteurs hein, qui a pas fourni aux âmes, qui a pas provisionné. On parlait de secteur privé, on parlait des pouvoirs, on parlait de monde qui est dans la politique. Là, je dis là, comment nous-mêmes, au niveau secteur privé, nous question ça, à part faire solidarité qui bien, mais qui. Pour nous, tout, hein, qui, comme tu as dit ça, impacte tout, nous-mêmes, dans le niveau secteur privé, nous quoi que ça gagne, le fait que gagne de monde dans le même secteur, ça tout, qui a approvisionné monsieur, dans le niveau. Bidonville. Il est difficile, le n'a
appréhender un problème pour nous généraliser dans un secteur. Probablement que quelqu'un dans le secteur privé qui importe des armes, qui distribue des armes. Je n'ai pas de preuve, mais je n'ai pas non plus preuve du contraire. C'est-à-dire que quelque part, si on importe des armes dans le pays, c'est dans le port ou bien l'aéroport qui est qui premier monde qui est responsable pour l'aéroport dans le pays? L'État haïtien, le pouvoir exécutif. C'est eux qui nomment directeur la douane, c'est eux qui nomment directeur APN, c'est eux qui nomment directeur tout POC dans le pays. Donc ça veut dire que premier responsable là, même le son l'autre monde qui fait, premier responsable là, c'est d'abord l'État haïtien. Deuxièmement, pour qui ça me dit que les pas bon le nous prend un secteur et puis nous dit quelques grains de monde. Donc on est guerrier que, en dans la presse là tout, il y a plus l'accusation portée sous machin de micro. Est-ce que nous sommes capables de dire secteur, la presse là, c'est machin de micro? Non. Il y a des sérieux qui ont fait travail, il y a des journalistes, investigateurs qui ont fait travail, mais nous connaissons des machins de micro. Et mais dans le secteur privé, il y a des sérieux qui payent les droits de douane, il y a des sérieux qui payent les impôts. Le groupe Boulos, montrez-nous déjà, fait en moyenne 18 millions de dollars américains par année, 17 à 18 millions de dollars américains par année de droits de douane et taxes. Est-ce que il y en a qui sont en contrebande? Oui. Pardon? Non. Est-ce que il y en a qui, est-ce que il y en a dans le secteur privé qui sont en contrebande? Est-ce que il y en a dans le secteur privé qui importe des armes, distribue des armes? Probablement, même pas qu'on est eux. Donc, c'est l'état de droit qu'il faut ramener en Haïti. Parce que si on est qui importe des armes, distribue des armes, comme fond de quoi, il faut être arrêté eux. Il faut mettre la justice derrière eux. Or, comme pouvoir lui-même, lui complice dans son abdia, ou bien dit lui, il y a trois secteurs, il dit, comme pouvoir, c'est lui qui est exécutif là, et c'est lui qui a capacité pour le mettre l'état de droit, mais ça n'a pas intéressé. Parce que le gouvernement de Jovenel Moïse est le contraire de l'état de droit. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est la corruption et la dilapidation. Le gouvernement de Jovenel Moïse, ce sont les massacres de la Saline, du Bel Air. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est pas jamais fait élection pendant 4 ans, pendant le Téguin Parlement d'Amel, Téguin doit être ton premier ministre en 10 minutes. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est l'insécurité, 600 kidnappings l'année dernière, plus de 300 kidnappings à date. Le gouvernement de Jovenel Moïse, ce sont les menaces publiques faites par le président. Vous leur dites la baïta, la coupe tête. Ok, c'est l'Igdili. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est la gangstérisation de tous les bidonvilles de Port-au-Prince. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est la fin de son mandat. Il est illégal, illégitime, de facto. Le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est la négation de tout ce que le peuple haïtien demande. Donc, je dis à nous pas qu'à pointer du doigt un groupe ou l'autre groupe. Il faut d'abord que nous prenions monde qui t'a cherché mandat, monde qui t'a cherché vote, pour qu'il puisse changer le pays. Il puisse prendre l'eau. Le ciel, la terre, il va le mettre manger dans mes mounions, il va le mettre et l'argent dans le chaud. Je dis à moun en Haïti, plus pauvre qu'il y a 4 ans et au plus pauvre encore qu'il y a 10 ans. 10 ans de PHTK, 10 ans de destruction du pays. Non, petit point de presse tout coûte. Premier ministre Haïtien, Claude Joseph, docteur, baille dans tête coulée avec le directeur général de la police, non, Léon Chol. Claude Joseph pointé du doigt sous un groupe de moun. Li fait un rappel historique, moun qui était dans pays loc, etc. Tout moun comprend et qui t'a fait comprendre qu'il y a la base ça qu'a fait là journée jodia. Ça nous besoin qu'on ait monsieur Boulos. D'après ou même docteur Boulos, dans analyse pao, dans lecture pao. Policier a mouri dans commissariat. Yo tiré sous commissariat, commissariat fermé. Est-ce que ça qu'a fait là d'après vous même dans lecture, c'est une guerre gang à gang ou bien l'état politisé? Si oui, qui secteur d'après vous même qui t'a derrière et qui avantage? Moi même je dis à me pas croire que ça qu'a fait là Matissan gagne de politique là dedans. Si c'est vrai parce que m'a gagne preuve. Même temps on voice de un chef on chef de Negaxam. Et vous tendez le... Oui. OK? Il racontait toute bagaille. Donc quelque part nous voyons que sont affaire de gang à gang qui tous les deux associés à pouvoir. Donc je dis à sont affaire de yo ba neg l'argent, l'autre là pas joindre assez l'argent, li montre li gagne force. C'est ça lié là. C'est-à-dire que ou qu'on s'écrivait. Et ça arrivait souvent. Ça arrivait, président Jean-Bertrand Aristide. L'offre créé un monstre.
vont leur perdre du contrôle li. Vont leur perdre du contrôle li et puis qu'on y a commencé à boumer. Entre eux, il y a boum à voir. Il y a boum à voir. Donc je dis à le président Jovenel qui a choisi de se maintenir au pouvoir, qui décidait que seul Jean pour le Kembe pouvoir, seul Jean qui pour le Kembe pouvoir, c'est et à travers gang, depuis 2019, où est-ce qu'on effort qui fait, jusqu'à ce que, écoutez, qui vous a annoncé que vous faites rêve avec gang pour kidnapping, c'est pas secteur politique opposition, hein? C'est pouvoir qui annonce à travers CNDDR. Et puis vraiment, où est-ce que la fête? Où est-ce que la fête? L'administration de Jovenel Moïse est basée entièrement sous gangstérisation, sous faire peuple souffrir, peuple Cité Soleil, peuple La Saline, peuple Bel Air, peuple Matissan, peuple Fontamara. C'est ça lié. Donc, et docteur, le docteur Claude Joseph, Premier ministre, parce que je dis à ma prête attention pour me battre tirer encore, le docteur Claude Joseph n'a rien à dire parce qu'il a échoué encore. Il descend de Matissan, là, pas là avec policiers pour le montrer le gain force. Il n'a pas même parlé de misère mon cap passe en bas. Donc il n'a rien à dire ce matin. Il n'a plus rien à dire. Lui et son président, ils n'ont qu'une seule chose à faire. C'est bail démission pour nous capables, suivant accord politique sécurité, pour nous mettre un gouvernement de tête nationale, qui est un premier ministre choisi par tout le secteur politique et la société civile. Préférablement un membre de la société civile, non partisan, non politique, pour qu'on soit capable de remettre la sécurité en place, pour qu'on soit capable d'apporter aide à la population et pour qu'on soit capable de faire de bonnes élections, libres, transparentes. MDV Haïti, c'est dans l'élection que nous voulons aller. Mais nous ne parlons pas dans l'élection à Jovenel Moïse. Nous pas dans la cohabitation à Jovenel Moïse. Nous sommes toujours clairs sur ça. Et Mathieu m'a publié sur Twitter, moi, une petite déclaration que j'ai faite depuis longtemps pour me démontrer que j'ai déjà dit pas bien référendum 27 juin depuis le 13 avril. Il prend 40 millions de dollars, il gaspille dans le référendum. Il prend 60 millions de dollars l'année dernière, il gaspille dans le COVID-19. Je dis à mon mourir quand coup poule dans le COVID-19. Qui ça le gouvernement dit sous ça? Qui ça le fait sous ça? Est-ce qu'on connaît, et je dis à pas gagner assez générateur pour faire oxygène dans le pays? Le gouvernement refuse de permettre autre importation de nouveaux générateurs pour faire oxygène dans le pays. C'est pas sérieux, c'est pas honnête, c'est assassin. Tout à l'heure, Dr Bouzoulosso dit que 10 ans, PHTK, c'est 10 ans de destruction. Donc, où t'es supporté Matéli, où t'es supporté Jovenel Moïse, à partir de qui date, où vient une sentie destruction correction. Ça Guerrier, correction, je n'ai pas supporté Michel Matéli. J'ai voté pour Mme Maniga, j'ai fait la campagne, moi fait campagne Mme Maniga, jusqu'au point où, dans une nouvelle liste. Ou pas en face Michel Matéli tout quand même. Pardon? Non, je ne pas en face Michel Matéli. Maintenant, face Michel Matéli avec Mme Maniga. En novembre 2010, Michel Matéli font déclaration, dit m'a fait faux sondage pour me faire Mme Maniga passer. L'homme t'a fait sondage dans le pays avant l'élection. En 2014, comme citoyen engagé, monsieur le président Matéli m'a demandé d'entrer dans une commission avec Gérard Goub, avec Odette Poisson-Brun, avec Monseigneur Harris, avec Jacques et Chavanne Jeune, avec le sénateur du Sud et Gabriel Fortuné. Mais on a bien en commission et nous baillons une proposition de solution de crise qui était passée par le départ du Premier ministre qui a contribué à dilapider les 4,2 milliards de dollars. Et à ce moment, t'es une solution que t'es joindre. Ça pas tout support. C'était une commission indépendante. Une commission indépendante formée de personnalités au-dessus de tout soupçon. Qui te bat une solution. Oui, nous avons supporté Jovenel Moïse dans l'élection. Oui, je dis, moi déçu. Et comme dit Guerrier, ce n'est pas un pile dans le secteur privé qui n'a mis tant de mandat au président qui a menacé dans le secteur privé. Qui a eu courage pour le virer d'eau, pour le dire, ce n'est pas ça que je suis élu, ce n'est pas ça que je suis supporté, ce n'est pas pour ça que je suis comme président, ce n'est pas pour ça que je suis encouragé, ce n'est pas pour ça que 500, 3000 personnes ont voté. C'est pour changer les conditions de vie du pays. Ce n'est pas pour ça que là, je dis, cette élection pas j'en fait, population qui est pauvre. Donc, moi réponds non. Moi changé en 2018. Le réveil, le cri du peuple haïtien du 6-7 juillet, t'es stimulé pour me garder pour moi, toute sa journée là, fait là, il n'est pas bon. Mal joigné. Moi dis ça. Et vous connaissez, on m'a dit ça déjà sur Caïd. Je fais un WhatsApp pour lui en 12 points. Pour me dire, vous trois frères, il n'est pas bon. Le 4 février 2019,
Mwen rele président Jovenel à l'époque de président, parce de facto, le président n'a pas dans la même route encore, parce que je suis déçu de côté de la mène noire. Mon cher, même tout ce bagay, pas de pile mec dans le secteur privé qui gagne bien dans le pays, qui a gagné courage pour faire ça, non? Et docteur Boulos, il y a deux personnes qui viennent dans la mémoire, dans le moment où on a fait cette interview, ça, c'est docteur Tounep Delpé, qui passe tout le temps à prêcher une conférence nationale, malheureusement, il y a les feu Maniga, avant de mourir, il dit, il faut sincériser la politique en Haïti. La solution de cette crise chronique, docteur, passe tout d'abord et avant tout par les Haïtiens. Les Haïtiens conséquents. Mais il est grand temps aujourd'hui de dire à la Monroe, Haïti aux Haïtiens. Mais comment on est capable de faire les chaque monde a râlé de la soubopayo, chaque monde gon critique contre l'autre langue et nous refuser chita ensemble. Moun sa ou ki nan détresse humanitaire qui sous place Fontamara kap tande au matin. Moun sa ou ki nan centre sportif Kafouan kap tande au matin. Proposition que vous fait pour nous ta sorti nan Kachubumbi ça. L'idée coûte durée ou bien de longue durée et le comment faire? Pabjo, et bon, moi d'accord avoir son premier sorti. La politique haïtienne est hypocrite. Et si mon bagage que tout le monde toujours reconnaît sous Pierre-Réginald Boulos, c'est que l'homme a parlé, pas les jambes, pas la queue, pas la cerveau, moi pas jambes de menti. Et me dit, bah, yo clair, j'en rien. Mais de l'un, ça fait mal, mais c'est qu'on s'amuse. Moi, quoi, je dis, il faut nous clair. Je dis, il y a gagné une masse critique de leaders politiques qui passaient deux jours ensemble. Des leaders partagés, je pense que Kakashi est ensemble. Il y a une masse critique, il y a 28 partis politiques regroupés à l'intérieur de 6 grandes entités qui mettaient ensemble, qui fait compromis. Il y a des gens qui n'ont pas d'accord, qui font compromis. Il y a d'autres qui n'ont pas d'accord, qui font compromis. Nos free populations ont proposition de sortie de crise, un accord politique qui ont mis sous table là. Ça ne veut pas dire que c'est le seul qui peut passer, parce que nous sommes ouverts à ce que nous avons discuté à l'autre parti. Il y a un autre groupe politique, nous avons chita avec eux, pour nous faire compromis encore plus bien. Mon seul dénominateur que nous tous gagnons ensemble, l'IPACA inclut Jovenel Moïse. C'est Youmoun, nous n'avons pas parlé. Est-ce que peut-être Youmoun, nous avons sacrifié un peuple? Est-ce que peut-être Youmoun qui est déjà illégal sous pouvoir, nous avons sacrifié un peuple? Non. Matin, bon chance pour me dire, président de facto Jovenel Moïse, gardez ta pays. Gardez ta pays. Fais sacrifice là vous-même. Déjà, vous connaissez, vous échouez pendant 4 ans, 3 mois. Vous échouez. Vous payez en chance. Pas que vous payez dans l'Italie parce qu'on a envie de faire 8 mois au pouvoir encore. Qui ça 8 mois au pouvoir pour le faire pour le pays d'Haïti pendant 4 mois pas de faire? Président Jovenel Moïse, de facto, gardez bien dans la caillou. Je ne t'ai qu'on parler longtemps. Nous t'ai qu'on a rêvé de l'autre bagaille. Je dis, ouais, c'est pas son bail. Yo, maintenant, m'te d'avait tout. En 2018, m'te tout, moun kakoto yo, comme t'es les cavaliers de l'apocalypse, yak maintenant dans l'enfer. Yo, maintenant dans l'enfer. Et yo, maintenant, tout haïtien dans l'enfer, je dis, font petit geste, font gros geste. Pour annoncer qu'on parait, pour aller, pour ne capable faire accord politique entre les forces politiques. Entre toutes les forces politiques et les forces de la société civile. Pour nous faire un gros accord, pour nous payer notre chance, notre voix, notre vision. Est-ce que d'après vous-même, Dr. Boulos, l'idée politique qui était dit que le pape Chita, sous quelque soit fomenant avec Jovenel Moïse, et je vous dis à Chita avec OEA, et qui dit OEA, dit Jovenel Moïse, c'est presque blanc, bonnet blanc, les jouent support, ils jouent soutien, ils jouent couverture. Est-ce que le fait que vous acceptez Chita avec OEA, vous refusez Chita avec Jovenel Moïse, son message, vous baille OEA, vous baille Jovenel Moïse. Est-ce que là, OEA n'a pas joué un rôle de pont entre l'idée ça ou pas de Chita avec Jovenel Moïse, là, qui Chita a clé, je ne vous dis pas. Bon, écoutez, bon, répondre de trois manières. D'abord, et pas penser que nous avons dit OEA à Jovenel Moïse, c'est même bagaille. Jovenel Moïse, son président au pays, OEA, c'est un ensemble de pays, en pile ambassadeur,
qui pays par yo a et pays par yo a supporté journal mais a réfléchi parce que a commencé ouais menti au prendre mes journal pendant 3 ans c'est pas totalement vrai. Moi-même j'ai rencontré OEAI avec moi et l'un fin fait présentation pour yo nous présenter yo toute sa journal fait dans pays a et à quoi politique moi parce que nous présentons à quoi politique là nous t'ai droit senti nous t'ai droit senti la caillou yo étonnement c'est quand tous ces des monde qui t'a vu Washington parce que c'est beau shit qui parle avec matin midi soir qui ben on va mentir nous même nous baio nous baio la vérité parce que nous fait 4 présentations pour eux nous t'ai 4 nous font bien présentation qui présenter tout état pays a nous présenter pour et argumentation mandat 7 février nous présenter question insécurité a nous présenter question accord politique là qui est la seule solution pour faire partir Jovenel le plus tôt possible sous question l'autre parti ou mouvement politique qui boutait invitation ouais c'est droit dans aucun pays toute parti politique pas qu'assemblée pour gagner même stratégie même vision même philosophie et puis tout yon nan faiblesse quelques groupes politiques ou bien leaders ça yo c'est qui sa population a dit sur yo MTV pas jamais regarder qui sa population a dit sur yo nous gon leadership et ça nous gagne ça nous choisir c'est li nous a prôné par militant est-ce que nous connaît gain militant MTV dans prison depuis longtemps depuis 2019 yo dans prison et pourtant yo pas jamais mettre en doute sa stratégie que nous même nous prend pour nous défendre peuple ici question qui dit tel parti pas d'accord pour parler OA nous pas arrêter avec ça. Si c'est comme ça, MDV pas t'a besoin d'exister, t'as pas de suivre ou l'autre parti politique. Ligue lui-même et vision parle. Nous pas arrogants, mais nous pas parler avec gros blanc, nous pas parler à petit blanc, nous pas parler à gros nègre, nous pas parler à petit rouge. Nous respecter stratégie, tout l'autre parti politique qui préférait bout d'invitation au RA. C'est le bagage qui est important, il faut nous tous arrêter à faire petit diffé volant, soit aller pas chita ou chita avec OEA. Au contraire, des attitudes différentes à eux, c'est lui qui a mené nous dans la victoire finale. Si gen yon bagay jodi a, si gen yon bagay jodi a, étranger au clair sous lui, c'est que tout le monde dans le pays a mandé des pages journal, sans condition, sans cohabitation. Ça, c'est le vrai message là. Quoi bah message là, à quoi pas chita ou a, quoi bah message là, face à face avec ou a, c'est le même message là. Maintenant, bah, mais, font-y discussion. Parce que ma li document que le secteur démocratique là écrit bah et ou a. Et ma pli pour nous. Le secteur démocratique et populaire vous sollicite de donner main forte au peuple haïtien pour lui permettre de se débarrasser de ce dictateur qui s'installe dans la Caraïbe en ce premier quart du 21e siècle. Mais écoutez, messieurs, si nous avons un problème pour nous dire, nous partons pas contre avant, mais nous devons aider. Pas de problème. Bon, moi-même, pas de problème. Je ne pas rentrer dans les controverses. Même des blessures, je dis non. Puis bon, Jean, ça, c'est opinion pas. Opinion pas l'autre, monde, c'est différent. Mais le message final, c'est que nous, pape Chita, directement à Jovenel. Si maintenant, il y a une médiation indirecte qui a fait pour que Mounsayo, qui a supporté Jovenel depuis 4 ans, qui a supporté le référendum volé Jovenel, là, qui supportait vieille élection Jovenel, vieille faire, CEP a accepté le pagain de capacité pour faire ni référendum ni élection. Et c'est une bagaille que je me dis hier, après-midi. Mais imaginez, si mon CEP n'a pas fait un référendum, qui c'est élection qui est plus simple que possible. Parce que vous connaissez que vous prenez excuse COVID, mais ce n'est pas COVID. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas jamais parlé. Donc, si vous n'avez pas groupe moun incompétent, pas qu'à faire une élection référendum, c'est pas une élection à 15 000 candidats. Donc, nous disons carrément, si vous continuez comme ça, pas jamais une élection, n'a privé 7 février 2022, nous pas arrivé, je venais le carréter, mais il n'y aura pas d'élection. Et même si tu as une élection, nous pas parlé dans l'élection. Nous pas jamais dans l'élection avec Jovenel Moïse dans notre pays. Nous pas jamais dans l'élection à Jovenel Moïse. Donc ça veut dire là, son transition. Ouais, pas ouais. Écoutez, pour carrer les jongles, plus Jovenel te quitte le pouvoir rapide, plus nous te mettre au gouvernement provisoire suivant esprit article 149 là. Mais bien dit esprit article 149 là, avec un premier ministre sorti de la société civile. Probablement, un premier ministre de consensus d'entente nationale qui gagne 3 mandats, j'en dis. Et ça, c'est accord là. C'est ça, accord là, dit. Accord là, dit, il gagne 3 mandats. D'abord, apporter une aide, une assistance rapide à la population. Et surtout, il y a un point important, mettre en place rapidement un plan pour COVID-19. Regardez ça qui va aux États-Unis. Donald Trump
pas jamais occupé de COVID-19. COVID-19 continue à monter, même gens avec l'ami Jovenel Moïse. Jeudi à Biden, arrivé le 20 janvier, lui immédiatement met en place un gros programme, 220 millions américains vaccinés aujourd'hui. Ou Algade Chipio, la baisse net allée. Ma bon graphe pour l'hôpital qui montre la République Dominicaine et Haïti. 30 doses de vaccins sur 100 personnes en République Dominicaine. 0 dose en Haïti. Je n'ai pas obligé tout Haïtien de prendre vaccin. C'est choix pas eux. Moi-même, ma plan. Mais le vaccin que le gouvernement a refusé et que Kounia l'a accepté, 3 mois plus tard, c'est 3 mois de perdu. 169 pays à utiliser le VIA. C'est le vaccin pour lequel les plus utilisés dans le monde entier. Et puis c'est la République Dominicaine à bail. Et puis nous-mêmes, nous tellement scientifiques, nous tellement des gros départements, universités qui ont fait recherche, nous décidons vaccin pas bon. C'est choix aux Haïtiens. Mais le gouvernement n'a pas de droit faire choix pour Haïtiens qui veulent prendre vaccin. Pour vaccin est disponible, ça que vous voulez prendre, ça que vous voulez prendre, pas prendre. Réginal Boulos a pris lui-même. Il a pris devant tout le monde. Parce que nous sommes docteurs, médecins de santé publique. Depuis m'entrer dans santé publique, c'est vaccination m'a poussé. Vaccination la rougeole, vaccination tuberculose, vaccination tétanos. Nous éliminer à l'époque tétanos dans Cité Soleil. Parce que nous avons vacciné toute femme enceinte contre tétanos. Pas de timoun qui était mourir. On compte combien qui était mourir. C'est qu'on y a 284 timoun sous chaque 1000 timoun qui était fait, qui était mourir avant un an. Nous baissons à moins de 80 à l'époque. Je dis à ma compte combien lié. Donc, je ne suis jamais capable, comme spécialiste de santé publique, pour me décider, je ne pas mettre le vaccin à disposition pour les Haïtiens. D'accord. Imposer le vaccin. Mais nous-mêmes, je dis à nous, t'es doué, gagner opportunité. Si Bob c'était voulu prendre vaccin, il y a un côté pour l'alcool vaccin. Vous comprenez ça, Capribé, je dis à là, Haïtien qui prend avion, qui prend machine à la République Dominicaine, elle prend vaccin. Parce qu'elle voulait vaccin. Elle voulait protéger tête. Ou l'autre qui parle quoi là-dedans, c'est nous respecter le choix. Mais le gouvernement a été un assassin d'avoir empêché l'arrivée du vaccin en Haïti. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont morts ces deux derniers mois sont sur le compte du président Jovenel Moïse. Qui est principal donc, la mission délégation OEA, est-ce que c'est Vin Tande différents acteurs ou bien Vin jouer rôle médiateur? Non, pas quoi Vin jouer rôle médiateur. C'est une mission, son mission qui vient chercher information. Il faut qu'à comprendre, guerrier. Monsieur Sayo, ambassadeur Sayo, Chita, Washington, et puis c'est Brochit qui a parlé avec eux. C'est Brochit qui a bien en bas menti. C'est Brochit qui a fait comprendre ses oppositions qui ne peuvent pas avancer. Et puis, on entre là, nous fait 2 heures de temps hier, guerrier. Nous saisis pour m'abgarder visage ambassadrice Costa Rica, visage ambassadeur américain, visage ambassadeur canadien OEA. C'est comme si c'est des mondes. C'est un conseil de la guerre qui a pris pour la première fois. Parce que pas dire me comprendre, l'homme a vu souterrain. L'homme a vu souterrain. Et il y a une là-dedans qui dit, nous pas même qu'à marcher dehors hexagone, tellement insécurité a terrible. Est-ce que ces pays ça ou qu'a voulu pour peuple haïtien? Donc, quelque part, moi, je crois que c'est son bon bail qui arrive. Je ne connais pas qui résulte à la bail. Mais moi-même, qu'est-ce que je perds à rencontrer 5 ambassadeurs comme leader politique avec ma fierté, ma dignité, mon respect? Et puis pour me dire, je sens ça me passer de bagarre là. Yo plus coûté nous que yo dit nous ça y ouvre. Par contre, je te dis l'autre ça y ouvre. Mais nous-mêmes, à aucun moment pendant 2 heures de temps, yo essayé, esquisser, est-ce que par les moyens, pour nous entendre entre les deux parties, en réalité, il y a 3 parties. Il y a 3 parties. Il y a les parties de l'opposition, il y a les parties au pouvoir, il y a Jovenel Moïse. Aujourd'hui, ce n'est pas une lutte entre les parties de l'opposition et les parties au pouvoir. C'est Haïti qui est en face de Jovenel Moïse. Et c'est ce que je leur ai dit. C'est Haïti qui est en face de Jovenel Moïse. Et dans tout pays au monde, le choix à faire, c'est la démission. C'est le départ. C'est même pas la démission. C'est le départ. D'accord. N'après le fini, docteur Boulos, c'est même ça, c'est une contradiction là. Le Gampil Moun qui a parlé dit c'est une décision inter-haïtien pour résoudre la crise là. Pendant que nous ne pouvons pas chita yon avec l'autre. Comment ça prend le fait là? Nous ne pas jamais dire ça. Nous ne pas jamais dire ça. Moi-même, m'a dit ça. Mais non, on dit directement pas chita avec Jovenel Moïse. Ah non, maintenant, Jovenel Moïse n'est pas le pays. Mais Moïse n'est pas le pays. Il y a des partis politiques qui protègent Jovenel Moïse dans le pouvoir. Jovenel Moïse n'est pas le pays. Jovenel Moïse n'est pas les 10 millions d'Haïtiens. Mais c'est lui quand même qui n'a pas les nationales. Là, je dis là. 10 millions d'Haïtiens.
maintenant m'a dit ce bagaille. Est-ce qu'on m'a dit chita, est-ce qu'on m'a dit chita, pour discuter avec Liné Baltazar, président PHTK, m'a dit oui, pour une réunion avec elle. Pour une réunion avec elle, pour me balle position nous, pour me balle position sous les dégâts que PHTK fait dans le pays avant de 6 ans. Est-ce que le lundi, le nous dit au gouvernement de consensus, nous pas penser que nous pas qu'à exclure une série de monde, nous pas faire article 291, constitution encore, mais nous pas qu'à inclure voleur, nous pas qu'à inclure assassin, nous pas qu'à inclure une équipe qui paye 4 milliards de dollars, en groupe PHTK, qui a gagné sérieux tout, mais qui a volé tout, nous pas qu'à nous voler, même j'en tourne en opposition tout, nous pas qu'à nous voler tout, nous pas qu'à nous assassin tout, nous pas qu'à nous quitter payé en 2017. Ni un ni l'autre. C'est-à-dire que je dis à Haïtien caché dans le le pays ne se résume pas guerrier à Jovenel Moïse. Absolument pas. Pour finir, Dr. Boulos, concrètement, est-ce que vous êtes au courant qui ça exactement mission OEA a venu faire? Est-ce que vous êtes venu pour le porter un message par acteurs qui sont impliqués dans la crise là? Ou bien vous êtes venu tendre des griefs et position devant la crise là? Écoutez, moi, je crois que son mission qui vient chercher comprendre ce qui a passé. Mm-hmm. D'après moi, il était venu avec deux objectifs. Il vient chercher comprendre ce qui a passé. Okay? Et il ne faut pas oublier tout, que c'est nous tous qui t'a écrit. C'est Diopod qui t'a écrit, qui t'a dit, et à l'époque, tu es grand pile l'autre secteur de Diopod. Okay. Nous-mêmes, nous sommes groupe des cinq, nous sommes sortis en notre pour dire que nous, on t'a remis une médiation indirecte. Médiation indirecte veut dire la navette. Est-ce qu'on connaît que Governors Island, Général Cédric, pas jamais rencontré à Président Aristide? Oui. Pas jamais rencontré. Mm-hmm. Mais pourtant, c'est une négociation qui fait. Si on est prêt à dire que mon mandat est sur la table, je suis prêt à partir. Écoutez, on a fait médiation directe là. Donc, il y a deux missions. Il y a une mission, ça a été en anglais, fact-finding. Il y a une chercher qui s'est passé vraiment. Et comment nous t'avons fait ça si nous tous t'avons décidé de ne pas parler avec eux? Eh bien, nous t'avons dit pas entrer. Or, je pense que nous sortons très positivement. Parce que je me sens dans le body language, dans le langage, dans les yeux, dans j'ai regardé nous. Je sens que tu es étonné, tant ça n'a pas dit. C'est ça qui est important. Deuxièmement, nous avons fait la promotion de la mise en œuvre de l'accord politique conclu entre une masse critique de partis politiques et. Et ma précise encore, accord politique qui est ouvert à tout le groupe. On a continué à parler avec vous. Quand nous sommes d'accord, le deuxième round, pour que nous agrandissions à quoi ça à l'autre, à d'autres groupes. Mm. Donc, moi, persuadé que arriver à tourner Washington, ambassadeur américain OEA, vient pour faire un rapport à Washington et pour dire, nous croyons que nous ne finissons pas comprendre la situation bien en Haïti. Ça, me comprendre, ce n'est pas ça. C'est pas une affaire de deux groupes politiques camerounais, c'est le pays qui est en face de Jovenel Moïse. Donc c'est ça que nous tapons avec eux. Et maintenant, ajoute ton dernier petit valeur. Donc c'est Jovenel Moïse qui est système, non? C'est Jovenel Moïse qui vous présente. Problème, je dis à celui qui est président. Non, est-ce que c'est le système, non? Ça, nous sommes là où il y a dénoncé. C'est le premier président qui aura donné sa démission dans un pays, parce que le peuple le demande, dans le monde entier. Les Américains ont supporté ça pendant longtemps. Evo Morales, les Américains ont supporté ça pour que le peuple a demandé d'aller parce que tu n'es pas de faire bonne élection et puis tu obligé d'aller. Je dis, ce n'est pas faire une bonne élection, non. C'est que mandat fini. Et pour faire 4 ans, on ne peut pas remettre rien. Le peuple est plus pauvre. Et sous question que Gaï était posée, soit fait Matéli, Jovenel et autres, Réginald Boulos, comme citoyen engagé, depuis soit Aristide, t'es toujours répondre présent, l'on président en fonction, t'es mandé l'aide. M'a rappelé tout le monde en 1995. C'est moi qui t'ai écrit programme rentrée des classes pour Jean-Bertrand Aristide, qui t'a gagné là-dedans la subvention des livres scolaires, la distribution de matériel scolaire, le transport scolaire. C'est moi-même la caille qui écrit le programme là, qui portait le bail président. C'est moi qui t'ai aidé président chercher quoi pour lui. Et nous t'ai réussi une des plus belles rentrées des classes que j'ai faites en octobre 1995. Donc nous pas jamais dit non. Nous sommes citoyens engagés, nous pas jamais dit non. L'on président m'a dit qu'on fait un bon bagage avec elle. Mais l'on président a fait tintin, l'on président a fait massacre, l'on président a gangsterisé le pays, Réginald Boulos a toujours qu'un point facile. Merci. Dr. Boulos, merci, c'est ton plaisir pour nous te faire parler avec vous matin. Bonne journée. Merci beaucoup à toute l'équipe, m'a salué encore toute population. Hein. M'a avec nous, Matissan, Fontamara, Cité Soleil, La Saline. Avec nous, on a continué pour nous joindre, on aide ponctuel rapidement, mais on a continué pour nous changer les conditions de vie, peuple haïtien.
Bonne journée. D'accord. Oui, nous tapons recevoir le docteur Réginald de Boulos, qu'on a nous parlé avec Stanley Lucas, qui est même. Comment dire, idéologue. C'est les choses. Idéologue. Pouvoir. Idéologue régime. Régime. Ok. C'est avec lui, nous parlons parler. Entre-temps, oui, ok. Nous.